بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ خير شيخ سير الحمد لله نرمercions الله سبحانه وتعالى de nous avoir permis de nous avoir donné l'occasion de vivre jusqu'à maintenant, en tout cas ces jours de Ramadan depuis le début. La semaine dernière, on évoquait un petit peu l'importance des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. On évoquait également la valeur de ces nuits impaires, et particulièrement à la recherche de la nuit du destin, Laylatul Qadr. Et voilà, peut-être que Laylatul Qadr s'est passé, peut-être qu'il est encore devant nous, on n'en sait rien. De manière vraiment sûre et authentique, on n'en sait rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait de chercher Laylatul Qadr lors des 10 dernières nuits, et particulièrement les nuits impaires. Et si ma mémoire est bonne, on a déjà dépassé 3 nuits impaires. La nuit du 21, la nuit du 23 et la nuit du 25. Hier, c'était la nuit du 25. Donc, 3 nuits impaires. Peut-être que Laylatul Qadr se trouvait dans une de ces 3 nuits. Peut-être que Laylatul Qadr, c'est demain, puisque demain, on sera dans une nuit impaire. Peut-être que c'est après, la nuit du 29. On n'en sait rien. De manière sûre et authentique. C'est pour cela qu'il est dit que lors de ces 10 dernières nuits, il faut mettre le paquet. Il faut tout donner pour avoir Laylatul Qadr, puisqu'on ne sait pas avec certitude c'est laquelle des nuits impaires, il faut tout donner. Au pire des cas, si il y a des nuits pendant lesquelles on va montrer de la faiblesse, il ne faudrait surtout pas que ce soit pendant les nuits impaires. Pas pendant les nuits impaires. Alors, pour ceux qui ont profité jusque-là, alhamdoulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Pour ceux qui encore montrent des signaux de faiblesse et qui baissent les bras, il est encore temps. Il est encore temps, avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on l'a évoqué lors des deux précédentes semaines, que c'est une occasion de vie. Ce n'est pas l'occasion de l'année, c'est l'occasion de la vie qui se joue là, pour nous. Laylatul Qadr, la nuit de Laylatul Qadr en adoration, vaut plus que 1000 mois. Souvent on dit, et même moi j'ai tenu ce discours en disant que c'est 83 ans et quelques mois. Mais en fait c'est plus que cela. Parce que le Coran nous dit, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit de Laylatul Qadr, une seule nuit en adoration, vaut plus que 1000 mois. Et 1000 mois, c'est 83 ans et 3 ou 4 mois. Donc c'est plus que 83 ans. Plus, ce n'est pas égal à 83 ans. Et qu'est-ce qui nous est demandé de faire? C'est de faire des actes d'adoration. Subhan, de zikr, beaucoup de dua, réciter le Coran. Être là pour ceux qui ont besoin de toi. Faire preuve de générosité. Aider les plus démunis. Puisqu'il y en a. La crise sanitaire
à dévoiler des choses, à accentuer encore la précarité. Être du côté, aux côtés des personnes vulnérables, des personnes qui sont dans le besoin. Laylatul Qadr, encore de cette année, les 10 dernières nuits de ce mois, voire même tout le mois de Ramadan, on n'a pas eu accès aux mosquées pour faire salat tarawih en groupe. On n'a pas eu accès, on n'a pas accès aux mosquées pour faire qiyam layl à la mosquée en groupe. Mais en fait, Laylatul Qadr, ce n'est pas uniquement entre les murs de la mosquée. Laylatul Qadr ne se cherche pas uniquement dans les mosquées. Laylatul Qadr, c'est dans nos demeures, dans nos maisons. Laylatul Qadr, c'est vis-à-vis de nos proches, silatul rahim, hein, renouer les liens de fraternité et de parenté. Laylatul Qadr, c'est de faire la preuve de générosité, c'est aider. C'est tout ça en fait. Laylatul Qadr, il faut voir ça large. Quand on veut chercher Laylatul Qadr, il ne faut pas se limiter uniquement à vouloir prier uniquement. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Mais Laylatul Qadr, quand on recherche Laylatul Qadr, il faut diversifier les bonnes actions. Je l'ai déjà dit lors d'un précédent message qu'il faut diversifier les bonnes actions. Chaque jour, il ne faut pas se contenter d'une seule adoration. Il faut prier, faire la salat. Il faut faire beaucoup de dua, c'est une grande adoration. Il faut faire de l'aumône, aider les gens qui sont dans le besoin. Mais ne serait-ce qu'avec 1 euro ou 2 euros ou 3 euros chaque jour, s'organiser en fonction de nos moyens, de sorte à ce qu'on puisse faire une sadaqa tous les jours. C'est silat rahim. Si tu es en froid avec quelqu'un, c'est de l'appeler, c'est de régler ce conflit. Si tu es loin de ta famille, de tes parents, c'est de prendre de leurs nouvelles, des frères et sœurs, et ainsi de suite. Quand on recherche Laylatul Qadr, on ne se limite pas uniquement à prier. La prière, c'est une grande adoration, c'est bien, mais il faut se diversifier. Il faut se diversifier. Celui qui laisse s'échapper cette occasion, Wallahi l'Azim, il aura, il se sera privé, lui-même, il se sera privé de tout le khair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man hurima khayraha ay khayra laylat al-qadr, faqad hurima al-khayra kull. » Celui qui est privé de la miséricorde, de la rahma, du pardon, de tous les bienfaits qui sont dans cette nuit, Wallah, il se sera privé, il aura été privé de tout le bien. De tout le bien. Donc il est temps encore, il est temps. La semaine prochaine, vendredi prochain, on ne parlera plus de Ramadan. On ne parlera plus de Laylatul Qadr, ça sera fini pour cette année. On parlera d'autre chose, peut-être comment gérer l'après Ramadan. Mais Ramadan, c'est les derniers jours, c'est les dernières heures que nous sommes en train de vivre. Il est encore temps qu'on redouble d'efforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Ramadan arrivait, il mettez le paquet. Et quand les 10 dernières nuits arrivaient, qu'est-ce qui nous a été dit? Shaddami izara wa ayqadha ahla wa ahya layla. Il redoublait encore plus d'efforts. Il faisait plus d'efforts pendant ces 10 derniers jours que les 20 premiers jours. Et il fait participer sa famille. Il ne le fait pas tout seul. Il adorait Allah en famille. Il réveillait sa famille pour qu'il prie avec lui, pour qu'il récite le Coran avec lui, pour qu'il fasse du zikr avec lui. Et il passait toute la nuit comme ça. Toutes les dernières nuits comme ça. Alors encore il est temps. Il est temps. La semaine prochaine, il sera trop tard. Dans quelques jours, il sera trop tard pour cette année. Et qui sait si l'année prochaine on sera là encore? Aucune garantie, aucune assurance. Peut-être qu'on ne sera plus là. Ainsi va la vie. Et il ne faut pas être dans le déni. C'est une réalité. Il y a la mort qui nous guette. Il y a la maladie qui nous guette. Il y a d'autres empêchements qui nous guettent. Combien étaient parmi nous l'année dernière qui ne sont plus là? Et même s'ils sont là, ils n'ont plus la possibilité de faire des actes d'adoration
comme ils le souhaiteraient. Soit ils sont alités, soit ils sont malades, soit ils sont inconscients, hospitalisés, soit ils sont empêchés, ils ont des empêchements qui leur, ne leur permettent pas de chercher tout ce khair. Toi et moi, on est encore là. Alors, il est temps de profiter. Il est vraiment temps de profiter des jours qui restent pour se faire pardonner. Qui de nous peut prétendre ne pas avoir des péchés? Qui? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que voilà, c'est l'occasion, c'est maintenant ou jamais. Man qama laylat al-qadr, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui adore Allah pendant la nuit de laylat al-qadr, il lui sera pardonné tous ses péchés, tous ses péchés, tous ses péchés. Parce que tu auras adoré Allah dans l'objectif de te faire pardonner. Et il te pardonnera. Tu auras adoré Allah dans l'objectif d'avoir sa miséricorde et sa grâce. Et il te l'accordera. Il te l'accordera. Si les péchés avaient une odeur, personne ne se serait rapproché. On ne se serait pas rapproché les uns et des autres. Parce qu'on est tous trempés dans des péchés. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait miséricorde et nous cache nos péchés. S'il dévoilait tous les péchés qu'on commettait, on n'aurait pas d'amis. On n'aurait pas d'amis. Alors il est temps de sortir de ce péché, de faire des efforts, de demander pardon et de prendre des résolutions pour éviter de retomber dans cela, inshallah. Le deuxième sujet que je voudrais exposer avec vous, c'est la notion de zakat al-fitr. Zakat al-fitr. C'est quoi zakat al-fitr? Zakat al-fitr a été institué, c'est l'aumône obligatoire, si vous voulez, qui a existé par la cause du mois de Ramadan. C'est-à-dire que zakat al-fitr ne se donne, on ne parle de zakat al-fitr que pendant le mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué cette zakat et l'a rendue obligatoire à tout musulman, riche ou pauvre, homme ou femme, petit ou grand. Alors les petits sont à charge de leurs parents, c'est les parents qui prennent la responsabilité de sortir la zakat pour leurs enfants. Même le nouveau-né qui vient de naître avant l'Eid, le nouveau-né qui vient de naître avant l'Eid, on sort la zakat al-fitr pour lui. Il y a même certains savants qui disent que même le bébé qui se trouve dans le ventre de sa mère, la femme enceinte, en grossesse, des savants disent qu'il est bien, il est préférable de sortir la zakat pour ce bébé, pour vous dire. Donc cette zakat a été instituée, rendue obligatoire par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala la deuxième année de l'Hijr. Et c'est quoi les objectifs de cette zakat? Il y en a principalement deux ou trois. La première finalité ou le premier objectif de zakat al-fitr, c'est de compenser nos manquements du jeûne. Pendant tout au long du mois de Ramadan, on a dû regarder des choses qu'il ne fallait pas regarder. On a dû dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Des choses qui diminuent la récompense de notre journée de jeûne. On a dû penser à des choses qui n'étaient pas propices pendant ce mois de Ramadan. Des choses qui ont diminué la récompense de notre journée de jeûne. Eh bien, l'objectif de cette zakat, c'est quand on la donne, eh bien, tous les manquements qu'on a eus, toutes les imperfections de notre jeûne soient comblées par cette zakat. Et qu'à la fin du mois de Ramadan, on ait jeûné, on a eu un mois de jeûne parfait. La zakat comble nos manquements, nos fautes, nos imperfections pendant les journées de jeûne. Ça, c'est le premier objectif, c'est la première finalité. La deuxième finalité, c'est de faire en sorte que tous les musulmans soient à l'abri du besoin, en tout cas, de manger le jour de la fête, le jour de Eid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit
exemptez-les de faire la manche, parlant des pauvres, des plus démunis, exemptez-les de faire la manche le jour de l'Eid. C'est-à-dire que faites en sorte qu'ils reçoivent cette zakat et que le jour de l'Eid, il n'y ait personne qui fait la manche pour chercher et demander de quoi manger. Il faut que tout le monde... C'est un jour de fête, en fait. Et quand on parle de fête, il faut bien manger, il faut bien boire, il faut être content, il faut être joyeux. C'est difficile d'être content et joyeux quand on n'a pas de quoi manger. Voilà l'autre finalité de cette zakat. C'est que le jour de l'Eid, que tout le monde sente que c'est un jour de fête. C'est un jour de l'Eid. Et que tout le monde puisse manger à sa faim. En quelque sorte, c'est comme s'il interdisait. Il interdisait qu'il y ait des gens qui font encore la manche, qui demandent de quoi manger le jour de l'Eid. C'est une honte pour toute la communauté s'il y en a. En tout cas, s'il y a des gens légitimement qui demandent de quoi manger. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui abusent, qui profitent de cette occasion aussi pour d'autres fins. Voilà, ça c'est une autre finalité. Donc, parmi les finalités, c'est de faire en sorte que tout le monde soit content, tout le monde soit joyeux ce jour de fête. Maintenant, qui doit la donner? Nous l'avons évoqué. C'est une obligation à tous les musulmans. Petits ou grands, hommes ou femmes, ayant jeûné ou pas, d'accord? Pauvres ou riches, même les pauvres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu cette zakat obligatoire, même aux pauvres. C'est une manière de nous apprendre, de nous enseigner, de faire la preuve de miséricorde. C'est-à-dire que même le pauvre qui a de la peine à trouver de quoi manger, il doit se débrouiller, il doit faire en sorte de trouver de quoi donner sa zakat al-fitr. Alors, ça ne veut pas dire que s'il la donne, il ne doit pas la recevoir. On en parlera. Qui doit recevoir la zakat? Il y a des gens qui donnent la zakat al-fitr, mais de l'autre côté, qui en reçoivent aussi de la zakat al-fitr. D'accord? Donc, on a dit, en général, le père de famille, les responsables de famille, ou n'importe quelle personne peut prendre cette responsabilité pour soi et pour ceux qui sont sous sa responsabilité. Si tu vis avec ton épouse et tes enfants, tu prends cette responsabilité. Et si tu veux le faire pour tes parents, l'essentiel c'est de discuter, vous mettre d'accord, qui va faire quoi. Mais il faut la sortir pour tout le monde. Ça, c'est un point, c'est réglé. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut donner? La fameuse question qui revient chaque année. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 5 ou 6 d'arrêts alimentaires à donner, parmi lesquels des dattes, des raisins secs, du fromage asséché, ainsi de suite. 5 ou 6 types de nourriture. La nourriture qui existait à l'époque et qui était utilisée et qui était facile à trouver pour tout le monde à l'époque. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut donner autre chose qui ne soit pas ce qui a été cité dans le hadith? La réponse, c'est oui. Puisqu'on peut donner du riz, on peut donner des pâtes, on peut donner d'autres denrées alimentaires. Et pourtant, le riz, les pâtes ne sont pas cités dans le hadith. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que la zakat al-fitr, en termes de nourriture, doit être donnée en fonction de l'aliment de base du pays dans lequel on réside. Si la région, le pays dans lequel on réside, l'aliment de base, c'est du riz, eh bien c'est du riz qu'on va sortir. Si c'est des dattes qui sont utilisées, que tout le monde mange, c'est l'aliment de base, on donne des dattes. Si c'est du raisin sec, ce qu'on donnera. Si c'est autre chose qui ne soit pas ce qui est cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est ce qu'on donnera. C'est ce qu'on donnera. Puisque les sahaba, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les compagnons du prophète, il y en a eu qui se sont déplacés de Médine, qui sont allés ailleurs, qui se sont installés dans d'autres régions et qui se sont, si vous voulez,
conformés et qui ont adapté Zakat al-Fitr en fonction de la région dans laquelle ils vivent. Donc ils ont donné autre chose qui ne soit pas ce qui a été exactement cité dans le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc en termes de nourriture, on s'est compris. Maintenant, est-ce qu'il est permis de sortir la valeur de ces denrées alimentaires en argent? La réponse, c'est que, se basant sur l'avis de beaucoup de savants qui ont existé depuis le temps des califes, à partir de Omar ibn Abdelaziz, ensuite, Abu Hanifa, l'une des quatre grandes écoles de la Sunna, de l'islam sunnite, l'école de Abu Hanifa. Ensuite, beaucoup d'autres savants qui ont suivi, parmi lesquels Sufyan al-Thawri, l'imam Ibn Taymiyyah, et d'autres. À chaque époque, il y a eu des gens qui ont donné cette autorisation de sortir Zakat al-Fitr en argent. La valeur, en fonction de la valeur de ces denrées alimentaires en argent. De nos jours, il commence à y avoir une majorité de savants qui tendent vers cet avis, des savants contemporains. Pourquoi, justement, il y a eu cet avis? C'est parce que on regarde les finalités de cette zakat. Pourquoi on la donne? Rappelez-vous, c'est pour nous purifier et combler nos imperfections, mais aussi c'est pour servir ceux qui sont dans le besoin le jour du Eid. Si en donnant la nourriture, comme Zakat al-Fitr, le bénéficiaire ne va vraiment pas en bénéficier, ou il ne va pas l'utiliser, ou il risque de revendre ce que tu lui as donné pour s'acheter autre chose, ce dont il a besoin pour manger, dans ce cas-là, il vaut mieux donner la valeur, c'est-à-dire sortir sa zakat en argent. On a assisté, et personnellement j'y ai été confronté, il y a quelques années, on a fait des colis alimentaires, on sortait Zakat al-Fitr, on a récupéré, on a fait une collecte de Zakat al-Fitr en nourriture. Et croyez-moi, des mois, deux mois, trois mois après Ramadan, on avait encore ces colis qui étaient réunis, on ne trouvait pas de preneur. C'est des colis qui étaient constitués de riz, de pâtes, et il y avait des gens auxquels on proposait ces colis avant le jour de Eid. Ils ouvraient les colis, ils trouvaient des choses dont ils n'ont pas besoin. Ce n'est pas ce qu'ils ont besoin pour manger le jour de Eid. Soit parce que ce n'est pas leur aliment de base, ils n'aiment pas cela. Alors, il y a ceux qui ont récupéré ces colis et sont partis les revendre à vil prix pour avoir de l'argent et aller s'acheter ce dont ils ont besoin pour manger. Il y a ceux qui nous ont dit qu'ils n'ont pas... Ce n'est pas de cela qu'ils ont besoin. Il y a ceux qui ont récupéré les colis par respect, mais qui les ont gardés, ils les ont posés, ils ne les ont pas utilisés. Pour éviter tout cela et pour respecter cette finalité de la zakat al-fitr, cette autre finalité qu'est le fait d'être, de pouvoir donner de quoi manger et de faire entrer la joie et le bonheur dans le cœur de tout le monde, il a été institué depuis l'aube du temps. Quand je dis l'aube du temps, ça ne date pas d'aujourd'hui, cet avis-là. C'est ce que vous devez comprendre, c'est ce que tout le monde doit comprendre. Il y a des gens qui donnent des jugements en disant que ceux qui donnent le zakat al-fitr en argent, ça ne sert à rien, ça ne va pas être compté comme zakat al-fitr. Il faut éviter d'avoir des avis de ce genre. Parce que cet avis, il ne date pas d'aujourd'hui, il ne date pas de nos jours. Si des grands savants comme Omar ibn Abdelaziz, Ibn Taymiyyah, l'école juridique Abu Hanifa et des gens comme lui, jusqu'à notre époque, ont vu qu'en cas de besoin, en cas de nécessité, il est permis de sortir de l'argent, ben, il faut s'arrêter. Celui qui veut sortir de la nourriture, Il faut qu'il le fasse. Celui qui veut sortir de l'argent, la valeur de cette nourriture en argent, qu'il ne soit pas empêché de le faire. Il faut qu'il le fasse. Et dans certaines situations, c'est encore mieux. Ce que j'ai à dire, ce que je vais rajouter, pour ceux qui veulent sortir de la nourriture, assurez-vous de respecter les deux finalités de la zakat. Ne pensez pas uniquement à vous.
Parce que ça pourrait être égoïste que de donner la nourriture et de combler les imperfections de son jeûne, mais que cette nourriture ne sert pas à celui qui est bénéficiaire, alors que c'est une des finalités de cette zakat. Ça pourrait paraître un petit peu égoïste. Si vous voulez donner votre zakat al-fitr en argent, assurez-vous, et en nourriture plutôt, si vous voulez donner votre zakat al-fitr en nourriture, assurez-vous que celui à qui vous allez donner cette nourriture va l'utiliser, il va en avoir besoin. Il ne va pas le poser et sans l'utiliser. Il ne va pas aller revendre cette nourriture que vous lui avez donnée. Si c'est le cas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc si vous trouvez quelqu'un qui vous dit que vous savez qu'il va utiliser, il va manger du riz, c'est son aliment de base, et qui l'accepte, qui le prend, donnez de la nourriture. Ou d'autres types de nourriture. Mais si ce n'est pas le cas, c'est mieux de donner, de sortir sa zakat en argent. J'espère avoir été clair. J'espère que mes propos ne vont pas être déformés. Très bien, maintenant, à qui donner la zakat? Pour aller rapidement, les savants ont dit qu'en se basant du verset qui parle des bénéficiaires de zakat al-mal, des 8 catégories de personnes qui peuvent bénéficier de zakat al-mal, eh bien, toutes ces 8 catégories peuvent bénéficier de zakat al-fitr, de votre zakat al-fitr, avec une prépondérance, avec une, si vous voulez, préférence pour les pauvres. Parce que vous savez, innama as-sadaqatu lil-fuqara, les pauvres, al-masakin, les indigents, ceux qui sont dans une extrême pauvreté, le fuqara. Parce que le faqir, il est encore plus pauvre que le miskin. Le faqir, c'est celui qui peine à trouver quasiment un repas par jour. Alors que le miskin, il est au-dessus. C'est-à-dire qu'il a de quoi manger aujourd'hui, il a de quoi manger peut-être pour 2 jours, 3 jours, mais il n'a pas de quoi manger pour dans le long terme. Donc ceux qui sont dans l'extrême pauvreté, ceux qui sont pauvres, وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا, ceux qui sont chargés de collecter la zakat, وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ, ceux qui sont fragiles en termes de foi, qui viennent de rentrer dans l'islam, ou qui sont dans l'islam, mais qui ont une foi très fragile. En leur donnant cette zakat, ça permet de fortifier leur foi. وَالْغَارِمِينَ, ceux qui sont endettés, وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ, ceux dans le sentier d'Allah, وَبْنِ السَّبِيلِ, et ceux qui sont en déplacement, les voyageurs qui sont dans le besoin. Donc 8 catégories de bénéficiaires. Les savants disent que ces même 8 catégories peuvent bénéficier de zakat al-fitr avec quand même une préférence des fuqara et le masakin, ceux qui sont dans l'extrême pauvreté et ceux qui sont masakin, des miskins. Donc, dernière question, quand est-ce qu'il faut donner zakat al-fitr? Il y a des savants qui disent que tout au long du mois de Ramadan, même au début, à partir du début, on peut la donner. Mais pour rester dans le juste milieu, à partir de la deuxième quinzaine, à partir du 15e jour de Ramadan, on peut sortir cette zakat. Pourquoi? Il est bien de sortir zakat al-fitr très tôt, parce que nous savons aujourd'hui, pour mieux organiser cette opération, que les bénéficiaires puissent recevoir cette zakat au bon moment, nous avons des structures, des mosquées, des associations qui se chargent de collecter cette zakat et de la redistribuer. Et vous savez qu'il y a un temps limite pour donner zakat al-fitr. C'est avant la prière de Eid, le jour de Eid, avant salat al-Eid. Si vous ne la donnez pas jusqu'après salat al-Eid, ce n'est plus zakat al-fitr, c'est une sadaqa. C'est une autre sadaqa. On sort du statut de zakat al-fitr. Donc, du début de Ramadan jusqu'au jour de Eid avant la salat. Donc, pour faciliter ces opérations de collecte et de redistribution, c'est bien de donner cette zakat avant 2 jours ou 3 jours avant la fin de Ramadan pour permettre à ces structures de mieux s'organiser et de redistribuer cette zakat avant le jour de avant la salat al-Eid. Donc, de préférence à partir de la deuxième quinzaine jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de Eid avant salat al-Eid.
veiller à la sortir avant la prière de Eid, parce qu'après, ce n'est plus Zakat al-Fitr, c'est une autre sadaqa. Voilà. Donc j'espère avoir été clair sur ces deux sujets, Laylat al-Qadr et la question de Zakat al-Fitr. Je rappelle qu'ici, au sein de la mosquée, la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne, la direction a fait savoir que nous allons renouveler cette occasion de récolter Zakat al-Fitr et de la redistribuer. La particularité, c'est qu'il y a une préférence pour les étudiants. Cette crise que nous vivons, je le disais tantôt, a fait apparaître une précarité accrue au niveau des étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans une précarité extrême. Donc la mosquée se charge de récolter cette Zakat al-Fitr et de la redistribuer aux étudiants, Inch'Allah. Donc si vous voulez que votre Zakat al-Fitr soit destiné aux étudiants, n'hésitez pas à confier cela à la mosquée, Inch'Allah. Barakallahu fikum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres, qu'il nous permette de vivre ces meilleurs, ces beaux moments et ces derniers jours du mois de Ramadan avec foi, avec crainte et avec espoir que d'avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.